Salut, on se retrouve pour la suite sur Europa Universalis 4. Dans le dernier épisode, on a fait une guerre où on a pris deux provinces qui nous intéressaient, le Brandebourg et Hambourg, faisant une tentacule chez eux. Et en même temps, j'en ai profité pour me mettre à proximité des provinces que je voulais. On peut pas acheter des provinces, donc malheureusement, la Pologne, il va falloir qu'on soit en guerre un jour ou l'autre. Peut-être lorsque j'attaquerai Utrecht, par exemple. Utrecht qui a mangé un voisin. Ils sont aussi alliés à l'Angleterre, mauvais plan. Ou alors Munster. Munster, je vais être en guerre contre eux, forcément. Ils sont aussi alliés à l'Angleterre. Dommage pour moi. Est-ce que t'es sérieux, toi? Mon petit gars? Ah, il est très sérieux, Munster. Il vient bouffer toutes les provinces qui pourraient m'intéresser. Alors, cette province est à moi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ah, bah, ils se sont encore alliés à Lübeck, même. Je sais pas comment me débrouiller pour avoir des cités libres si libérer les États ne suffit pas. Waouh! Munster face à Pays-Bas. Comment ça, Pays-Bas? C'est ça les Pays-Bas. D'accord, je vois. Et j'ai garanti là, son indépendance, donc je perdrai énormément de prestige. Il est tout seul les Pays-Bas. Norvège et Brunswick. Pour l'instant, il est tout seul. La toute jeune République des Pays-Bas cherche à rassembler toutes les provinces de la région sous son égide et à revendiquer les provinces nous appartenant. Pays-Bas revendique 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là qu'on va faire bah, les Pays-Bas, j'aimerais absolument vous vassaliser. Je pourrais virer la Pologne par exemple à votre place. Protestant en plus. Occupé par Munster. Imposé, je peux rien faire du tout. Pas voir au chapitre. Bah du coup la guerre est finie, non? Ah non, il y a la Norvège qui a rejoint. Oh, c'est trop long, je vais pas faire tout ça moi. Juste payer les Pays-Bas. Utrecht a rejoint les Pays-Bas. Ah mince. C'est un événement qui a son importance. Clèves a disparu. Malheureusement, comme je contrôle pas la capitale des Pays-Bas, je vais pas pouvoir réclamer leur vassalisation. Ce auquel je tiendrai beaucoup. 1, 2, 3, 4, parfait. Ça m'a tout l'air d'être toutes mes provinces poméraniennes. Ah mince, ils ont obtenu l'accès. Valois. Au revoir les Pays-Bas. On va les écraser aussi vite que possible. Brabant a rejoint les Pays-Bas. Oh non, ça fait gros là. Ah non, c'est juste ça, Brabant. Ah non, c'est ça, Brabant. Non seulement ils sont en train de manger tous les membres de l'Empire. Et
en plus ils grossissent alors qu'on est déjà en guerre contre eux. Pour le prochain c'est Freeze. Puis Geldre. L'un ou l'autre. Alors, Flandern, on aurait beaucoup de révoltés sur Flandern. On va faire des séparatistes à l'occasion. Dès que je pourrai, en fait. Bien. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de Pays-Bas, sinon je vais avoir des révoltes à chaque fois. Sinon ils demandent juste de l'autonomie, ça va l'autonomie. Non, des révoltes proches, c'est là en Alsace. Et en Cologne. Parce qu'ils sont hérétiques, c'est ça? Non, juste comme ça. Ah, parce que j'ai limité leur autonomie. Je pense que c'est pas un très bon plan de limiter l'autonomie. La province de Flandern est à nous. Alors c'est un peu abusé ça parce qu'il y a plus de révoltés que de population dans la province. Non, c'est pas un peu abusé, c'est complètement abusé. Les révoltes aux Pays-Bas à cette époque de la partie. Signer la paix sans notre accord. Je retiens. Brunswick, ils sont seulement alliés à Brunswick, qui est une de mes cibles d'ailleurs. Oh, j'ai fait ma revendication sur Brunswick. Ouais, c'est-à-dire que si je déclare la guerre à Brunswick là. Oh, ils ont tellement d'alliés Brunswick par contre. Ouais, plutôt que j'attaque les Pays-Bas. Comme ils ont pris une province, je suis en paix avec eux pendant 10 ans. Oh yo yo. Misère. Les séparatistes des Pays-Bas, ouais. Ok, se débrouiller. Ah, il y a une bataille Pays-Bas face à Freeze. Je pense que c'est Freeze qui a déclaré. Purge de l'hérésie, ils veulent. Ah, bonne chance. Ah, ils ont la France de leur côté, ça va le faire. Alors, je veux bien vous céder l'accès militaire, mais il faudrait que vous acceptiez de me le céder aussi, hein. Pour l'instant, ils sont hostiles. Ça changera. Ça changera. Zéro province réformée convertissable. Alors, Ghent. C'est occupé par eux. Si Freeze me cède l'accès. Je vais avoir besoin de passer. Par contre, les Pays-Bas, il n'y a pas. Je pourrais leur accorder la grâce impériale ou leur faire un don. Faire un don, ça va me coûter pas mal de sous, alors que l'accord de la grâce impériale, ça me demande juste de faire.
Il m'aime bien maintenant. Demander l'accès militaire. Hop. Bohème. Cristal de Bohème. Désir de réforme, influence sur le pape 105. Le truc c'est que l'influence sur le pape j'en gagne beaucoup donc c'est sympa. Je gagne 8 points d'influence par année. On va faire le calcul. Donc si on dit que le jeu s'arrête en 1800, grosso modo il reste 200 ans. Donc 8 fois 200 ans, 8 points par année, ça fait 1600 points. 1600 points divisé par 50, ça fait 32. Donc je peux gagner 32 points de mercantilisme. Or, sans les conversions. C'est vrai qu'il y a les conversions qui comptent aussi. Je sais pas combien on peut considérer que je prends en conversion. Sachant que 32, ça me permet seulement d'arriver à la moitié du mercantilisme nécessaire pour faire 100. Donc, je pense qu'on va définitivement passer de l'autre religion. J'ai des conversions qui vont me rapporter beaucoup, entre autres. Mais il me faudrait combien? Donc 32 plus 32 plus 22, que actuel, ça fait 54. Donc il va me manquer 46. Et donc il me faudrait 2300 points du pape grâce aux différents trucs. Ça m'a l'air infaisable. Même si j'améliore mes relations avec le pape, etc. On va passer de l'autre côté. En plus, j'ai plein de provinces, de plus en plus. Ça continue à convertir chez moi ou pas? Non, il a arrêté? Ou alors il convertit dans le nord? Ah, il convertit dans le nord. Les Alsaciens, je vais pas vous autoriser à vous révolter. Hambourg, je vais avoir du mal. Poméraniens, oh mince, il y a des Poméraniens. Oh, je peux passer à travers lui, parfait. Ah bah oui, lui c'est mon allié. Ah bah du coup j'ai rejoint mes territoires. Alors, la Sainte Ligue. Conséquence de la mise au ban de la cité de Dornau, les états protestants du nord de l'Empire fondèrent en 1608 l'Union évangéliste. Les états catholiques de l'Empire se sentant menacés ressentirent le besoin pressant d'une union et se regroupèrent cette même année au sein de la Sainte Ligue. La scène était prête pour la guerre de 30 ans. Si je décide de d'intégrer la Ligue catholique, je prends un malus de relation avec tous ceux qui sont pas catholiques. Et je prends un bonus de relation avec ceux qui sont catholiques dans l'Empire, c'est-à-dire Bade et l'Autriche. Si je reste neutre, je perds du prestige. On va rester neutre, je suis désolé. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre de ligue et tout? Je peux demander que Frise rende des provinces. Les Pays-Bas font une province. Oh, c'est trop bien ça! Je vais pouvoir les annexer super fastoche. Oh, ils voudraient pas devenir mes vassaux. Proposer la vassalisation. Moins 14. Il y a peut-être moyen. Ils sont membres du Saint-Empire. Ils sont riches. On a une religion différente. Ouais, mais je pourrais changer la religion. Faudrait que je change la religion. Comment on se convertit? Conversion protestante. Je perdrai tout mon prestige, j'aurai plus de contre-réforme. Je gagnerai des ducats. Un foyer de la réforme peut apparaître dans une province d'Europe. J'aurai zèle religieux, puissance missionnaire, coût de me maintenir des missionnaires.
Tout mon prestige, ça fait mal, mais bon, hop, c'est fait. Puissance cléricale. Est-ce qu'on gagne de la puissance cléricale en convertissant? Ce serait top. On va classer en fonction de l'unité religieuse. Les plus gros d'abord. Allez, je peux convertir qu'un par un par contre. Alors, c'est la première fois que je suis protestant, à vrai dire. Protestant. Alors. Se convertir et adopter trois positions doctrinales. Donc ça, ce sont des positions doctrinales. Et il faut 100 points de puissance cléricale pour appliquer une nouvelle position. Ça apporte par exemple puissance de missionnaire, discipline, légitimité annuelle, croissance coloniale, vitesse, productivité, agitation dans le pays, ça m'intéresse. Voilà, donc là, les Pays-Bas, mais je suis moins prestigieux, donc peut-être qu'ils vont pas vouloir non plus. De qui est-ce que je me sépare? La Pologne? Ah, la Pologne, ils se sont mis à m'adorer, ce serait dommage. La Russie, j'ai pas trop envie. L'Angleterre non plus. Autriche, je peux pas vraiment m'en séparer. C'est mon vassal. Accès militaire, mariage royal, alliance et garantie. Loi sur l'épreuve. On va faire ça. Puissance des missionnaires, puissance des missionnaires. Non, on est déjà très puissant. On va éviter de fâcher trop les gens. Ah, oh, je peux prendre ça, trop bien. Par contre, on va avoir des révoltés partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aider les... Elle est où mon armée? J'ai une armée qui est pas visible. Là-haut. Ah oui, elle va s'occuper des Poméraniens. Faudrait que j'aille aider là aussi. On va d'abord faire ça. Ah, il y a un bourgeois aussi. Toi, tu vas monter. Alors, revendique Thuringe. J'ai besoin de Thuringe. Est-ce que c'est le moment où on se sépare de la Saxe? Ça veut dire perdre l'Empire, mais je crois que j'ai déjà perdu l'Empire là. La Saxe, ils sont encore catholiques? Ah non, ils sont pas catholiques du tout. Bon, allez, on va abandonner la Saxe. Lui, il voudrait même bien être vassal. Moins 4, je suis sûr qu'il y a moyen qu'on... Ah, il voudrait bien être ville libre sinon. Hein? Mais s'ils sont ville libre, comment ils peuvent gagner des provinces? Est-ce que dans ce cas-là, ils seraient pas ville libre? Il risque d'y avoir des conflits religieux. Ouais, mais... Ouais. Mais tant pis en fait. J'ai pris la religion de la majorité de l'Empire. Et voilà qu'on veut plus de moi comme empereur. C'est bête, mais bon. Considère que j'ai perdu beaucoup de prestige, c'est vrai. Bon, la Saxe, dernier votant, un des derniers votants pour moi. Je vais briser les liens royaux. Constituer un d'espionnage et tout. Ah, mince. Un nouveau duc. Perdu tous mes casus belli d'empereur puisque je ne suis plus empereur et c'est le Palatinat qui l'a emporté. J'avais deux votants, il en avait trois. Palatinat, il est tout petit, il n'a pas beaucoup d'alliés. Donc désormais, l'Empire n'est plus sous ma protection. Ce qui veut dire petite rip, peut-être rip et no, si jamais la France veut s'y lancer. Pologne m'apprécie plus trop.
Nos politiques nous offrent les avantages suivants. Cool. Moins 7 sur Munich. 43 en Alsace. Le Munster, est-ce que je vais me marier avec vous? Vous gardez dans mes alliés. Pourquoi pas? Ah, j'ai plus aucun rapport avec la Pologne. Donc je peux me permettre d'avoir un nouvel allié. Pays-Bas. Alors, un homme d'État, culture hongroise. Transdanubie. Ou alors on l'accueille au conseil. Compétence 3, réputation diplomatique plus 1. Il va coûter cher, mais peut-être que on peut. J'ai perdu beaucoup de prestige du coup. La bataille de Vienne s'est bien passée. L'Angleterre, on vous garde en allié. La Russie, on vous garde en allié. Ce qui veut dire mariage royal. La Saxe. Pas besoin de briser toutes nos relations pour l'instant. Il y a des séparatistes néerlandais qui ont apparu. Offre d'alliance. On est bon. Alors, tous les pays de la foi réformée voient leur opinion à votre égard améliorée de 35 plus 35 plus 35. Tous les pays de culture anglaise. D'accord. Parce que l'accession au pouvoir de Lytle a suscité une grande inquiétude, si ce n'est une claire réprobation chez vos sujets parmi les nobles. Le nouveau duc leur semble étranger dans tous les sens du terme. Il ne parle pas la langue bavaroise, ni celle de la cour, ni celle de l'homme de la rue, et n'a pas les mêmes croyances qu'eux. Quelques années écoulées depuis son ascension n'ont fait que laisser peu de temps à ses ennemis pour se préparer. N'ont fait que laisser un peu plus de temps à ses ennemis pour se préparer. Donc on va avoir des prétendants en peste. Toutes les provinces protestantes et de culture bavaroise voient leur agitation s'aggraver de 5. Et la puissance des missionnaires s'accroît de 5 pendant 10 ans au plus. Du coup, toi, demi-tour. On va te faire encore quelques soldats de plus pour qu'on soit vraiment plus nombreux. Voilà. Du coup, la puissance des missionnaires reste bonne. Ou pas. Oui, très très bonne. On n'a plus besoin d'améliorer nos relations, puisque désormais les Pays-Bas sont mes vassaux. Toi, tu peux devenir mon vassal? Ouais, est-ce que c'est faisable pour de vrai? Peut-être. J'aurais plus qu'à l'annexer dans ce cas-là. Il faudrait me séparer de la Saxe en brisant les liens royaux. Par contre, il me déteste maintenant. Sachant qu'ils sont alliés à la Silésie. J'ai cru que c'était la Russie. Pas exactement quand même. Geld a rejoint la République des Pays-Bas. Trop bien. Il faisait une province, mais. Par contre, ils vont se considérer super puissants, les Pays-Bas. Si jamais ils ont des événements d'effection de province. Francfort a été converti. Au suivant, en termes d'unité, on va prendre Augsbourg. Attendez, quoi? Ça coûte combien ça? Beaucoup trop cher. On va prendre 8. Ah, c'est ça, rapport de la puissance cléricale, la conversion. Ah, bah ça vaut la peine alors. Je connaissais pas du tout le système
des petits bonhommes, des protestants. On risque de scoltiner un désastre. Défaite, mince, il y en a un qui s'est fait écraser. Non, on s'est mal compris. Vous allez là. D'ailleurs, toi, tu vas rester là, par exemple. Non, 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 c'est mal compris encore. Oh, bah, allez-y. Aïe, aïe, il est fort. Venez, l'Autriche, ça va m'aider. Je m'en serais sorti, mais... Il a peut-être fait des bons dés, des bons jets de dés, en fait. 2000 hommes les ont écrasés. 1, 2, 3, 4. On va faire un truc genre... Hop. Ils sont combien, l'autre? 9. Bon, c'est pas très équilibré, c'est pas grave. Je peux prendre une décision. Conversion du duc. Deux de stabilité, mais je gagnerai de la légitimité. Deux de stabilité, ça fait cher quand même. Pour qu'il devienne protestant. On va plutôt dire que son fils deviendra protestant. Religion réformée. Pas d'héritier légitime. Je croyais qu'il venait d'Angleterre. Et de la famille des gens d'Angleterre chrétiens. Non, catholiques au contraire. Parce que tous réformés, protestants et catholiques, ils sont tous chrétiens. Mais ils se tapent quand même dessus. On va essayer de faire soulever les Pays-Bas. Ils sont de ma religion, les Pays-Bas. Ouais, c'est bien. Mince. Vous avez pas pris la bonne religion, vous. Qu'est-ce qui va pas? Plus 50, ah mince, je peux pas. C'est trop. Sauf si je réduis leur aspiration à la liberté. Pas pris la même foi que nous. On a des provinces qui se convertissent à la réforme. Mauvais plan. Faut dire le foyer de réforme, il est plus proche que nous. On a converti des infidèles. Au suivant. Pourquoi on peut pas Landus? Il y a peut-être un bâtiment qui est en cours de construction. Convertir Flandre. Je vais pas convertir le duc. Les Poméraniens se sont soulevés. On va leur prendre. Ils ont celui-là? Non, ils avaient pas celui-là. Oui, lui c'est un 2 étoiles et l'autre c'était pas un 2 étoiles. La Saxe. Est-ce que je les garantis encore? Hop. Ah, j'ai perdu ma relation. Ah, c'est vrai, je suis plus empereur, alors j'ai perdu une relation. Qui est-ce que je peux... Pas personne, en fait. Je voulais en faire mes vassaux, mais... On pourrait quand même essayer... Russie, Autriche, Brunswick ou Angleterre. Ou Munster. Je pourrais me séparer du Munster. Sachant qu'il faudra que je prenne S. Ouais, on va se séparer du Munster. Étape par étape. C'était le dernier à voter pour moi. De toute façon, maintenant, le Palatinat a tellement de votes. Oh non, il y a encore des Alsaciens. Ils n'ont pas compris les Alsaciens. Regardez, je suis sur la province et on se révolte pas. Ah oui, parce qu'avant ils se révoltaient parce qu'il y avait autonomie limitée. Et maintenant ils se révoltent aussi parce qu'ils sont catholiques. Mince. Arrêtez de convertir chez nous les réformés. Ah, oh, ils continuent.
Commerce mondial, qu'est-ce qu'il faut pour le commerce mondial? Faut être dans le plus riche, par exemple. Pour que ça se développe, il faut. Carrefour commercial. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce quoi? Là, institution presse à imprimer a été trouvée. Et là, on a une puissance commerciale de la province importante. C'est un carrefour commercial. Il n'y a pas un bonus pour le bâtiment en fait? C'est ma question. J'ai peut-être pas fait le bâtiment dessus. Là, il y en a un de bâtiment. Ouais, il y a un marché. Ça a pas l'air de jouer beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ça va se développer, hein. Ah, j'ai les manufactures, parfait. Indépendance garantie par la France. Bon, bah, elle l'attaquera pas alors. Qu'est-ce qu'on a encore avec le Munster? Accès militaire et alliance. Il y a encore des révoltés là-haut. Il reste Lunebourg en fait. On va plutôt se mettre à côté. Et attendre qu'ils se soulèvent. Ah non, ils vont les battre. Ils ont battu à plate couture avec leurs 3 étoiles. Alors, je préfère la stabilité. Ouais, même si. Bon. Conversion accomplie. Augsbourg coûte encore très très cher. Salzbourg, on va faire. Pourquoi il y a du zèle religieux là? Ah ouais! Ah mince, parce que je les ai convertis il y a pas longtemps! Alors ça c'est bête, je me suis mis des bâtons dans les roues moi-même pour avoir suffisamment de points auprès du pape. Et d'ailleurs, je sais même plus si j'ai utilisé mes points pour le pape avant de partir de religion. Je me demande si j'ai pas oublié justement. On peut, on a une trêve avec la Saxe, très bien. Ça, c'est les provinces qu'ils ont eues il n'y a pas longtemps. Ou alors dans lesquelles ils se sont soulevés et qu'ils ont contrôlé. On va repasser. Non, on va pas repasser du bon côté. Alsaciens, ils se révoltent encore. Ah oui, mince, ils peuvent se révolter en fait. Munster. Dissoudre l'alliance. Transfert de puissance. Je pourrais demander un accès à la Pologne si je veux vraiment passer. Là. Ça fait long, mais peut-être ma meilleure option. Voilà, je suis rentré dans mes relations. Offrir l'accès militaire. 68, le plus simple, c'est peut-être de faire un don. Dépenses sans compter. L'inflation, ça descend tout seul. Faire un don. Hop. Salzbourg a été converti. Calais sera converti. Désastre, il est imminent. Mais en théorie, on devrait monter en unité religieuse. On est à 25.
On gagne plus 1 par mois et beaucoup moins parce qu'on n'a pas beaucoup d'unités religieuses. Parce que c'est... En plus, on gagne plus 1 et on pourra gagner plus 2,2 du fait de la multiplication de tous nos points de dirigeants. J'ai bien compris, plus 5, plus 12, plus 5. Ça fait 22 en effet, 22 fois 0,1. C'est sympa, il nous explique comment ça fonctionne. On va prendre ces techs. On peut faire d'autres états, parfait. Voilà, ça sera tout. École dominicale, puissance de missionnaire tout court. Ouais, je prends volontiers. La Saxe, une dernière revendication et on s'en va. La Bohème, on va améliorer nos relations. Lübeck, il nous adore. Je sais pas si ce serait partant pour être notre vassal quand même. Ah oui, si. Je pourrais vassaliser tout plein de monde. Hop. Coût de fabrication des revendications. Non, on va plutôt garder nos points pour l'instant. Unité religieuse inférieure à 50% encore. Ah, il y a des séparatistes de Lorraine. Ça me fait bizarre de plus avoir beaucoup d'alliés. Plus haut du coup avec eux maintenant qu'ils sont mon vassal en termes de d'amélioration des relations. Unité religieuse 51, ouais, ça ralentit le désastre. On n'est plus qu'à inférieur à 75. Ça risque de se produire quand même. Quelle que soit ma vitesse de conversion, aussi rapide soit-elle. Nous vous attendions. Ouais, qui sont devenus réformés. Oh là là. Faut pas que je convertisse la même à chaque la même que quand même. On va s'arrêter pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite.